Hey, salut les amis, c'est Mamax, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo tout simplement, pareil pour te dire comment être à l'aise devant une caméra et comment bah, justement faire bien sa formation vidéo ou créer sa formation vidéo. Là je suis justement en train de créer une formation, donc je suis en train de me filmer pour créer une formation vidéo qui est justement sur l'entrepreneuriat. Et je vous avouerai que c'est pas du tout facile. Donc ça fait quand même un certain moment que je fais des vidéos sur YouTube. Pardon. Mais là pareil, faire une vidéo, une formation en fait, c'est pas forcément facile à faire. Et la seule solution en fin de compte, c'est tout simplement de s'entraîner à publier des vidéos ou à faire des vidéos. Donc là justement je suis en train de te faire une vidéo. Ben, l'astuce en fait c'est tout simplement continuer à faire ce genre de vidéos, voilà, continuer à en proposer plusieurs fois par semaine, et donc au fur et à mesure en fait vous allez être plus à l'aise devant la caméra et vous allez pouvoir faire de plus en plus de vidéos. Et donc voilà, donc là par exemple tu vois je suis en train vraiment de te faire cette vidéo comme ça. Là je vais te je vais te montrer en fait. Je me suis mis devant la table, mais je me suis mis devant la table de mon salon. La table de mon salon est totalement en bordel. Mais en fait, voilà, je me suis posé là, donc avec le cahier et la chaise, et tout simplement le trépied qui est juste devant. Donc du coup, je me suis posé là. Donc si je dépose le trépied là, en fait. Et eh ben, on peut s'apercevoir que j'allais faire ma formation comme ça. Donc voilà en fait à peu près la vue que j'allais donner. Voilà en fait c'est vraiment la vue que j'allais faire pour pouvoir faire la formation. Vous voyez que le livre il est là. Et au final le décor ne change pas, ne pose pas de problème en fait. Mais c'est tout simplement faire une vidéo devant vous et de vous parler devant la caméra et surtout vous expliquer, vous donner tous les conseils qu'il y a en fait pour une nouvelle formation. Donc en fait c'est vraiment ça j'ai envie de dire la chose qui est difficile, c'est vraiment se mettre devant la caméra et parler et expliquer voilà quelle formation, de la formation dont vous parlez, etc. Donc voilà, en fait, la seule chose à faire, c'est tout simplement continuer à publier ce genre de vidéos, des vidéos gratuites par exemple. Et à force, vous allez être plus à l'aise devant la caméra et vous allez pouvoir mieux faire en fait vos vidéos de formation et ça va être forcément d'une meilleure qualité que de regarder son livre et puis lire ses notes, etc. Voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.